Savez-vous que le Brésil possède trois centres énergétiques qui forment un cœur, en plein centre du continent, à cheval sur les États de Mato Grosso, de Goiás et du District fédéral? Il y a là une porte d'entrée dans le royaume d'Agartha, le royaume de Shambhala, comme le nomment les Tibétains. Alors, est-ce une réalité? Est-ce un mythe? De quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons voir. À la suite, grâce à notre ami, le professeur Luis Salvi. Alors, prêt pour rentrer dans la terre creuse, au centre des profondeurs, là où vit une race blanche, supérieure, avec des êtres un petit peu étranges, appelés dans la littérature les intraterrestres. Est-ce la vérité? Est-ce une folie? Est-ce que j'ai fumé un pétard? C'est ce que nous allons voir à la suite, grâce à l'éminent universitaire, le professeur et philosophe Luis Salvi du Brasil. Entrons maintenant dans la porte magique de l'accès à l'Agartha. Le Brésil dispose de trois centres spirituels. Palmas, dans l'état de Tocantins, qui est son pôle géodésique. Barra de Garças, dans l'état de Mato Grosso. Et Brasília, dans l'état de Goiás. Ces trois pôles ont une importance considérable. Les trois capitales, comme chacune un pôle géodésique, géographique et politique, forment une monade et donc un vortex. N'importe quel type de pôle génère un vortex spécifique. Et il en réserve un centre d'influence. Le vortex géopolitique, physique et psychique forme un ensemble dynamique au niveau matériel, psychique et émotionnel, mental et émotionnel. Ces trois localités forment un triangle pythagoricien dont chacune des faces est liée au type de vortex en cause, géodésique, géographique et politique, le politique à neuf. Em meio a este triângulo de forças, misticamente colocada, está a cidade de Alto Paraíso. Les forces spirituelles sont particulièrement concentrées dans la ville de Alto Paraíso. Coordenando e recebendo todas estas energias. Il reçoit les trois énergies, mental, émotionnel et physique. Les forces qui sont associées à ces centres spirituels sont sur les mêmes vibrations que ceux du cœur. Autre réalité à être considérée est le climat. La température influence le tempérament humain. Chose qui se traduit très bien à travers l'art comme l'expression du caractère collectif d'un peuple. Les zones tropicales et celles qui reçoivent les royaux
du ciel avec le plus d'équilibre dans la réalité brésilienne, c'est la zone tropicale. La face de l'équateur est plus est liée à l'équateur et la plus froide est liée à la zone tempérée. On a ainsi un centre physique, un centre émotionnel et un centre mental qui sont liés aux trois latitudes du Brésil, ainsi qu'aux trois climats. C'est sur ces routes du climat que se situe la plupart des grandes civilisations. C'est ici que les Atlantes originaux, qui étaient les premiers agriculteurs du Néolithique, se sont localisés dans les forêts tropicales et ont été amenés à vivre avec une civilisation beaucoup plus élevée, appelée celle des Atlantes, et qui s'est localisée pour se protéger plus en altitude. La culture atlante est celle qui a commencé à diffuser les énergies du cœur et commencer à faire évoluer l'humanité. Cette énergie est maintenant de retour avec l'ère du Verseau. Et elle va évidemment changer les modes de vie de toute l'humanité. Ces zones de végétation différente stimulent beaucoup les sphères émotionnelles de l'être humain, beaucoup plus que les déserts qui sont des lieux de retraite. Certaines régions plus élevées, ont aussi stimulé des zones de retrait ascétique avec des civilisations un peu particulières liées à l'intériorisation. Le cœur du Brésil est un site naturel, au Cerrado, qui représente un système symbiotique. Pour la science de la géobiologie, le Cerrado est le meilleur lieu ou le meilleur système de transition entre les trois climats. Il est vraiment privilégié et il permet à des écosystèmes rares de prospérer. Pour cette raison, la philosophie indigène du Cerrado est considérée comme celle originelle de toutes les cultures de la Terre. Le mot cœur, coração en portugais, vient de la même étymologie que courage, c'est-à-dire l'énergie qui permet de se maintenir avec courage d'un point de vue psychologique. Le Planalto et la Sierra intérieure du Brésil ont été des zones particulièrement intéressantes pour fonder de grandes civilisations. Sont nés ici des centres spirituels extrêmement forts, dont on a quelques traces archéologiques. C'est ici que les esprits qui veillent sur l'évolution spirituelle de l'humanité se sont installés et ont commencé à modifier la conscience humaine. La localisation de centres spirituels dans ces endroits est souvent cachée et les lieux sont sacrés, connus de seuls quelques gardiens. Il s'agit aussi d'organiser un mésocosme, c'est-à-dire un ordre social comme celui de la synarchie. Toute cette dynamique est coordonnée avec les axes directionnels de la Terre afin de donner naissance à une culture supérieure. La Terre illuminée, est symbolisée par la croix. Elle se situe en Asie,
Il y a une relation entre la zone d'Agartha de l'Himalaya et puis les différents grands centres sacrés qui sont sur un axe jusqu'en Amérique du Sud. C'est ce qu'on appelle l'équateur incliné. C'est là que se trouvent véritablement les points d'accès au cœur subtil de la Terre. Dans une autre acception, cœur est aussi le don de réunir ensemble l'espace et la terre et enseigner les mouvements entre le ciel et la terre comme l'enseigne la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. L'humanité est en relation avec le ciel de manière de différentes façons, notamment à travers l'harmonique 33. Lorsqu'on est harmonisé avec cette structure, eh bien nous vivons en paix. Nous devons apprendre à nouveau à sortir de nos organisations électriques artificielles et nous connecter à ce champ géomorphique de la Terre. Lorsque les êtres humains auront retrouvé cette sagesse, ils pourront manifester tout ce qu'ils voudront et ils pourront dire qu'ils seront en train de faire en eux l'œuvre du ciel et de la terre. De la même manière que l'astrologie aide l'être humain à y prendre, à augmenter sa conscience, la géosophie, la science de la Terre, la connaissance du géomagnétisme, permet d'identifier des endroits où la Terre est sacrée et où peut se réaliser une alchimie interne entre le ciel et la Terre. Ce n'est pas pour rien que le bouddhisme tibétain ou au Brésil la religion des indigènes sont des centres extrêmement sacrés et des centres très anciens de connaissances et de sagesse. L'Agartha est avant tout la confrérie des hommes libres, là où se rencontre l'esprit spirituel de la terre, là où la culture de plantes sacré qui peut permettre d'expanser la conscience peuvent être rencontrés. La tradition de l'Agartha, à travers toutes les traditions spirituelles, est une mission expresse de travailler à ce que le ciel et la terre s'unissent à partir de notre cœur et à partir du cœur de la terre, en unissant ainsi la partie mentale, physique et émotionnelle des êtres. Ce réseau d'informations qu'on pourrait appeler d'images fractales doit être appliqué, doit être suivi pour que l'être rencontre son destin et la providence divine. De cette façon, l'être humain peut se détacher de la Terre et évoluer vers les dimensions astrales supérieures. De cette manière, toutes les sciences élevées de Shambhala, du bouddhisme tibétain, toutes les sciences ici des indigènes, permettre à l'être humain de s'unifier à la Terre à travers ses énergies constituantes, sa géosagesse et son astro-sagesse qui sont liées. Le dessin qui lie l'altiplano argentin, l'altiplano brésilien et himalayen représente un centre spirituel de l'humanité où sont apparues les plus grandes sagesses sacrées. Chacune de ces grandes spirales d'énergie se localise dans une civilisation particulière à partir d'une cité cachée, la cité de Shambhala. C'est à partir de la connexion à ces cités que notre psychisme peut se purifier, nous amener vers des dimensions supérieures de connaissance de nous-mêmes et de connaissance de la Terre.
merece relevo nisto por suas altitudes mais elevadas. Lorsqu'on est sur l'altiplano brésilien, on ressent cette énergie du cœur, cette énergie de conjugaison avec le cosmos qui permet au cœur du Brésil de se connecter avec le cœur de la planète et le cœur de l'univers. Tout ceci constitue un véritable vortex énergétique en relation avec le noyau de fer de la Terre et permet à l'humanité qui s'y connecte d'obtenir tous les bienfaits en matière de sagesse. L'énergie supérieure captée par les Atlantes va pouvoir se manifester maintenant de nouveau ici dans l'air du Lion au sud ou dans l'air du Vertu au nord. Dans cet espace central du Brésil, nous avons une connexion particulière avec cette énergie du Lion et du Verseau, cet axe astrologique, ce qui n'avait pas échappé à nos anciens, notamment dans les Pyrénées de l'état de Goiás, qui a un climat tout à fait similaire à celui du Mexique. Cet espace littoral est susceptible, cet espace humide est susceptible d'accueillir une très grande civilisation et est déjà baigné d'une énergie spirituelle extrêmement forte. No budismo, o servo é guardião do Dharma. Ademais, ele é o animal de poder ou totêmico que rege o centro do coração com suas 12 pétalas, na simbologia tântrica hindu, e cuja leveza está conectada ao elemento ar. Apesar disto, existe forte vínculo entre este chakra e o elemento fogo, uma vez que é através deste centro que Kundalini desperta e acende em definitivo. Para alguns, a ideia de centro que compõe a mística Agartina remete ao interior geológico da Terra, onde supostamente haveria um sol central. Este sol expressa, todavia, uma simbologia espiritual, porque representa o próprio trono do rei do mundo, coração e essência dos pivôs agartinos, destinados a fazer desencadear os novos ciclos de evolução do planeta. Da mesma forma como o cosmos resulta da organização de uma hierarquia natural de centros, quadro semelhante também deve acontecer no plano social e cultural da humanidade. A partir da irradiação universal da sabedoria dos divinos mentores da Terra. Para um oriental, a melhor forma de dizer que a Terra, ou antes o interior das terras, é um coração, é através das suas mandalas de Shambhala. As divisões dessas mandalas priorizam seções de 8 e de 12 unidades, que dizem respeito aos chakras existentes na região do coração, como são Anahata e Ananda Kanda. Este último representa, em especial, o chakra cardíaco de eleição dos budistas, assim como a mandala da chama trina do moderno esoterismo. Refletindo, ademais,
a estrutura da roda do Dharma hindu-budista e outros sistemas divinatórios ou de geografia sagrada, como seriam o Bhagwa e o Vastuvidya. Por fim, a mandala de Shambhala se reflete diretamente nos sistemas geográficos de evolução que a Sociedade Brasileira de Eubiose vem organizando no Brasil, quiçá mais especialmente naquele que tem sido proposto em data recente para a Chapada dos Veadeiros, diretamente conectada à capital atual da nação. Os sistemas geográficos de evolução projetam as pétalas do chakra cardíaco num círculo de pequenas cidades que orbitam em torno de uma cidade cristal, à maneira dos raios das cores do espectro da luz. Pois toda a região dos veadeiros potencializa esta cultura do coração, e estas são algumas das causas pelas quais se afirma que a região seja ou se destina a ser o chakra cardíaco do planeta. E ainda mais seguramente do Brasil, o qual sedia a nova raça raiz da luz do coração. Ideia esta que é tradicionalmente levada a cabo, então, de maneira científica e sistemática, através da organização do sistema geográfico de evolução. Cabe daí organizar ali a nova e difusa cultura do coração, que é também a cultura solar, conquistando, enfim, a plena imortalidade da alma, fomentando o conhecimento das almas gêmeas e da iluminação plena do ser humano, no matrimônio místico entre o céu e a terra. Assim, a verdadeira Terra-Coração apenas poderia ser o próprio Coração da Terra. Thank you.
spéciale. Donc,